Bonjour, je m'appelle Alice, je suis product owner chez Ciné depuis 1 an et demi. En tant que product owner, je m'occupe à la fois de concevoir ce qu'on va mettre dans le produit, donc à la fois concevoir une vision produit à long terme et un backlog produit à moyen court terme, et je coordonne également la réalisation de ce produit avec mon équipe, que ce soit les spécifications, les questions pendant le développement, le test et ensuite la livraison, puis la maintenance. Chez Ciné, on travaille majoritairement avec les équipes de développement sur des méthodes agiles, donc soit en Scrum, soit en Scrumban. Dans mon équipe, on travaille en Scrum sur des sprints de 2 semaines. Donc ça veut dire que toutes les 2 semaines, on se réunit et on définit ce sur quoi on va travailler dans les 2 semaines à venir. Ensuite, en tant qu'équipe, on travaille de façon très autonome sur la réalisation des objectifs qu'on a définis auparavant. Et puis à la fin des 2 semaines, on se réunit encore, on fait une démo, là généralement avec beaucoup de gens de chez Ciné, y compris le marketing, les commerciaux, pour montrer ce qu'on a réalisé et pour que tout le monde soit aligné pour la mise en production ensuite. Je suis arrivée chez Ciné en août 2021 en tant que product owner de tous les produits Ciné. Et donc avec toute l'équipe, je travaillais avec toute l'équipe de développement. Et au fur et à mesure de la croissance de l'équipe de développement, on s'est séparés en sous-équipes. Donc on est maintenant 4 product owners chez Ciné. Et j'ai pris en charge l'équipe qui gère les nouveaux produits, ceux qui n'ont pas tout à fait trouvé leur marché. Et je suis devenue à cette occasion manager en juin dernier. Alors j'ai rejoint Ciné parce que moi j'ai eu des expériences dans un très grand groupe avant, et que je cherchais une entreprise à taille plus humaine où je puisse connaître un petit peu tout le monde, et c'est un franc succès pour ça. Ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, d'être product owner sur une équipe et de maîtriser le cycle de vie des produits de bout en bout, de la conception à la livraison. Ensuite, parce que je voulais revenir en province et que Caen, c'est une ville qui me plaît beaucoup.